Les débuts de l'aviation permettent de réaliser l'un des plus vieux rêves de l'humanité. Si les pionniers sont des hommes, les femmes ne tardent pas à entrer à leur tour dans les cockpits. Dans les années 20, elles vont conquérir le ciel de l'Allemagne. Ces aviatrices intrépides explorent une nouvelle dimension. En quête d'aventure, elles veulent voler dans l'espace infini au-dessus des nuages. Elie Beinhorn qui survole les continents. Hannah Reich, l'aviatrice de tous les records qui ira jusqu'à l'extrême limite. Melita von Stauffenberg, la pilote d'essai injustement oubliée. Beate Use, la première pilote cascadeuse d'Allemagne. Elle donne au ciel de l'Allemagne un visage féminin. Pendant quelques années, tout semble leur appartenir. La liberté au-dessus des nuages, le ciel, l'avenir. À Wargenau, en Prusse orientale, la petite Beate, fille d'un grand propriétaire terrien, a 8 ans. Fascinée par l'histoire de Dédale et Icare, ces précurseurs de l'aviation issus de la mythologie antique, elle a une idée. Elle va se fabriquer des ailes. Quelques lattes de bois, du papier à cerf-volant, des plumes de dinde, tout est prêt. Elle va réaliser son rêve. Du toit de la véranda de la maison familiale, elle tente son premier vol, sans en parler à quiconque. L'atterrissage est rude. Les ailes sont hors d'usage et la fillette a un genou écorché. Cette première tentative est un échec. Mais Beate ne renoncera jamais à réaliser son rêve. Et elle y parviendra. 17 ans plus tard, Beate Use est capitaine dans la Luftwaffe. La Wasserkuppe est le plus haut sommet du massif de la Rhön. Après la Première Guerre mondiale, c'est là qu'est développé le vol sans moteur. Un sport qui attirera toute une génération de jeunes gens. Le développement du planeur s'explique aussi par des raisons politiques. Dans les années 20, le vol à voile était un phénomène typiquement allemand. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles avait imposé des restrictions drastiques à l'aviation à moteur allemande, aussi bien civile que militaire. En fait, elle était interdite presque partout. Par bravade, les Allemands ont réagi en disant « Puisque nous n'avons pas le droit de voler avec des moteurs, nous nous en passerons ». En quelques années, le phénomène s'est répandu dans tout le pays. Une photo de classe du début des années 20. Cette fillette aux longues tresses est elle aussi mordue par le virus du vol à voile. Hannah Reich grandit dans les monts des géants. Elle habite à quelques kilomètres seulement de la célèbre école de vol à voile de Grunau et y va presque chaque jour à vélo. Son souhait le plus cher est d'y prendre des cours, mais son père s'y oppose. Il lui propose un marché. Si elle arrive à tenir jusqu'au bac sans évoquer le sujet, elle aura le droit d'y suivre des cours. Hannah relève le défi et tient bon. Mais sa promesse ne lui interdit pas de regarder. La réalisation de ses rêves semble à la fois toute proche et terriblement lointaine. Le bac en poche, Hannah rappelle à son père la promesse qu'il lui avait faite. Et que, contrairement à lui, elle n'a pas oublié. Quand elle était petite, Hannah causait déjà des frayeurs à son père en essayant de marcher sur la rambarde du balcon. Après son bac, quand il a voulu lui offrir une montre en or, elle lui a dit « Je n'en veux pas. Tu m'as promis que je pourrais voler. Et c'est ce que je veux. C'est suivre des cours de vol à voile. » Hannah Reich attend ce moment depuis des années. Confiante, pleine d'espoir et bouillante d'impatience, j'étais à côté du planeur, au milieu d'un groupe de jeunes hommes. Le cœur battant, j'ai pris place sur le siège du Grunau 9.
Je mesurais 1m54 et je pesais tout juste 45 kilos. Rien d'étonnant à ce que les garçons qui entouraient le zinc se laissent aller à des railleries. Pour une fille, il était plus raisonnable de rester derrière ses fourneaux. Les premières leçons sont un fiasco. Hannah manque de casser du bois et on lui interdit de reprendre les commandes. Le rêve de sa vie prend des allures de cauchemar. On la considère comme incapable. Et il est question de l'exclure de l'école. Aura-t-elle attendu toutes ces années en vain? Spannung! Startmannschaft ausrichten! Hannah Reitsch a 19 ans et elle n'est pas du genre à fuir les problèmes, ni à accepter l'échec. Elle prend le taureau par les cornes et s'impose une discipline de fer. Elle s'entraîne sans relâche, avec une cuillère en bois en guise de manche à balai. Inlassablement, elle répète les enchaînements de mouvements. Les gestes doivent être calmes et mesurés, sans précipitation. Elle veut réussir, et elle réussira. Les difficultés des débuts sont vite oubliées. Hannah est sereine et joyeuse. Elle obtient son brevet sans difficulté. Les exercices à blanc ont porté leurs fruits. Le plaisir n'est pas la seule motivation de Hannah Reitsch. Elle veut prouver qu'elle est meilleure que les autres. Et elle y parvient rapidement. Quelques mois plus tard, en 1932, Hannah Reitsch établit son premier record du monde de planeur. Les années 20 sont une période de grands bouleversements dans la société. L'image des femmes évolue, et la constitution de la République de Weimar leur garantit l'égalité des droits. Beaucoup de femmes profitent des nouvelles opportunités qui s'offrent à elles. La condition de femme au foyer n'est plus leur idéal. C'était des femmes jeunes, nées pour la plupart entre 1900 et 1910. Pendant la Première Guerre mondiale, elles avaient vu les femmes de la génération précédente travailler dur. Elles ont une conception différente de la condition féminine. Et certaines d'entre elles se sont dit « Je peux faire des choses qui n'étaient pas envisageables pour mes parents. » À 20 ans, Elie Beinhorn incarne ce nouveau type de femme moderne et sûre d'elle. Elle veut absolument réaliser une ambition impossible aux yeux de ses parents. Elle est rentrée chez elle en disant « Je veux être aviatrice ». Ses parents lui ont répondu qu'elle perdait la raison. Ils ont même voulu l'emmener chez un psychiatre. Au début, ils n'ont pas compris que c'était du sérieux. Elle rêve d'explorer des pays lointains et passe son brevet de pilote. Une simple formalité, semble-t-il. Je mentirais si je disais que ce premier vol m'a fait très grande impression. Tout était tellement évident, tellement naturel. Le maniement allait de soi. Il suffisait de pousser doucement le manche vers l'avant pour que l'avion se mette en descente. On sentait d'instinct comment il fallait faire, et ça allait tout seul. Aéroport de Berlin-Tempelhof. 29 avril 1931. Une foule nombreuse est venue attendre l'avion d'Elie Beinhorn. La jeune femme a passé 4 mois à survoler l'Afrique et son voyage mouvementé l'a rendue célèbre. Sur le tarmac, les journalistes se bousculent. Pour les médias, le retour d'Elie Beinhorn est le grand événement. Elie Beinhorn n'avait pas prévu cela, car elle était consciente des risques d'un tel voyage. Elle avait gardé le secret sur son projet, parce qu'elle se disait « Si j'échoue, la presse en fera des gorges chaudes et se déchaînera sur les femmes pilotes. » Alors que là, personne ne sait qu'une petite aviatrice un peu folle, du nom d'Elie Beinhorn, s'apprête à partir pour l'Afrique. Une fois sur place en Guinée portugaise, elle réalise des prises de vue aériennes pour le compte de 2 ethnologues, avec un avion d'une puissance de 120 chevaux seulement. Elle est devenue célèbre quand elle a disparu pendant plusieurs jours après un atterrissage forcé dans la région de Tombouctou. Elle a dû atterrir en catastrophe. L'avion a été détruit. Elle a été recueillie par des Noirs qui n'avaient jamais vu de blanc.
Les journaux ont alors fait des gros titres comme « Elie Beinhorn, disparu quelque part en Afrique, peut-être chez ces terribles nègres, qui sait ce qui lui est arrivé ?» C'est là qu'elle est devenue célèbre, parce que personne ne savait où elle était et qu'on la croyait perdue corps et biens. Un grand journal allemand lui envoie un avion pour son voyage de retour. Après cette épopée africaine, la presse à sensation la considère comme la femme la plus célèbre d'Allemagne. Elle correspondait exactement à ce que les médias attendaient d'une aviatrice à l'époque. Elle était sportive, extrêmement courageuse, mais également charmante, douée d'esprit et d'humour, aussi élégante en combinaison de pilote qu'en robe du soir, et parfaitement à l'aise dans les deux univers. La fillette qui avait sauté du toit vole elle aussi de ses propres ailes, pour son plaisir et pour le compte des autres. Beate Use réalise par exemple les cascades aériennes du film de propagande Achtung, Feind hört mit. Attention, l'ennemi écoute, tourné en 1940. Elle devient ainsi la première pilote cascadeuse d'Allemagne. L'histoire d'espionnage à visée politico-didactique est conforme à l'esprit du régime. La carrière d'aviatrice de Beate Use a commencé en 1937. Après avoir passé son brevet d'aviation à Rangsdorf, près de Berlin, elle entre comme stagiaire à l'usine aéronautique Bucher, toujours à Rangsdorf. Dans l'entreprise, elle occupe différents postes. La défection d'un pilote d'essai lui permet de saisir sa chance. Avec l'appareil flambant neuf, j'ai roulé jusqu'au point de décollage. J'ai crié au contrôleur « Vol d'essai sur Bucher !» Et on m'a donné le signal de départ. J'avais sur les genoux un bloc avec des données à contrôler. Régime à 1000 mètres d'altitude, à 2000 mètres, vitesse, pression de l'huile, réglage des ailerons, compensation, consommation. J'ai volé pendant des heures et j'avais tout juste 19 ans. Elle s'intègre très bien dans l'entreprise Bucher, qui emploie 2000 hommes. Maxe, comme on la surnomme, veut faire carrière dans l'aviation. Non pas comme d'autres aviatrices, en brillant en société ou par des exploits sensationnels, mais en s'intégrant totalement à l'équipe. Pour vivre la grande aventure de l'aviation, il ne faut pas hésiter à mouiller sa chemise. Et les aviatrices doivent se débrouiller seules avec les problèmes mécaniques. Elles mettent les mains dans le cambouis et connaissent parfaitement les moteurs de leurs appareils. Hannah Reitsch, la championne de vol à voile, s'intéresse elle aussi à l'aviation à moteur. À l'époque, les moteurs étaient encore peu fiables. Et un pilote devait savoir trouver le tuyau d'huile, faire des réparations de fortune, déboucher le carburateur, nettoyer les parties encrassées. Bref, il fallait passer beaucoup de temps sur son avion et connaître le moteur sur le bout des doigts pour ne pas rester en rade après un atterrissage de fortune en pleine nature. L'une des aviatrices les plus intéressantes de sa génération est la discrète Melita Schiller. Avec son diplôme d'ingénieur, c'est par le biais de l'aéronautique qu'elle entre dans le monde de l'aviation. Elle travaille pendant 8 ans sur l'hélice à pas variable. À la fin des années 20, c'est une technologie de pointe. Pilote accomplie, elle teste elle-même ses résultats théoriques en conditions réelles. Melita Schiller est une pilote allemande dont nous savons très peu de choses. Elle avait un caractère très introverti et n'intéressait donc pas vraiment la presse. Cette femme savait tout faire. Elle pilotait des avions, conduisait des automobiles, elle en possédait une, ce qui était relativement rare à l'époque. Et elle allait à la chasse. Nous avions pour elle une admiration sans bornes.
De toutes les aviatrices allemandes, Melita Schiller est celle qui a la formation la plus complète. Elle a passé avec succès tous les brevets de pilote et a fait toutes les spécialisations possibles. Sa double casquette d'ingénieur et d'aviatrice lui donnait une valeur inestimable dans la recherche aéronautique allemande. Les temps changent. Le régime qui a pris le pouvoir en 1933 se sert de l'aviation comme moyen de démontrer sa force. La liberté au-dessus des nuages n'intéresse pas vraiment les nationaux-socialistes. L'image de la femme dans la propagande officielle est aux antipodes de l'idéal d'émancipation des années 20. La femme au foyer est une valeur montante. Quelles conséquences aura cette nouvelle donne pour les aviatrices ? L'Allemagne n'avait plus besoin d'aviatrices souriantes jouant les ambassadrices de charme à travers le monde. À présent, c'était vers les avions de la Lufthansa, puis de la Luftwaffe, que convergeaient les regards de l'étranger. Ils annonçaient les ambitions nouvelles, bien plus agressives, de la politique étrangère de l'Allemagne. Les nouveaux maîtres du pays soutiennent la pratique du vol à voile, avec des arrière-pensées évidentes. So weit waren wir im Fliegen, als wir in das NS-Fliegerkorps übernommen wurden. L'aviation sportive devient préparation paramilitaire pour l'entrée dans la Luftwaffe. Les compétitions servent de démonstration de force. Les aviatrices insouciantes et joyeuses n'y ont plus leur place. Un tout petit nombre d'aviatrices échappaient à la règle. Elie Beinhorn, par exemple, qui avait connu son heure de gloire avant 1933, était tellement connue à l'étranger que pour elle, il n'y a pas eu de changement majeur. Dans un hangar, Elie Beinhorn découvre le nouvel avion du constructeur Willy Messerschmitt, le BF-108. Immédiatement conquise, elle ne comprend pas pourquoi l'appareil n'intéresse personne. Elle s'est présentée à Augsbourg pour un entretien avec les directeurs, qui ne l'ont absolument pas prise au sérieux. Ils ne croyaient pas que le modèle avait de l'avenir, mais elle a réussi à les convaincre. Entre autres, en leur suggérant de nommer l'appareil, qui jusque-là s'appelait BF-108, Typhoon, Typhon, qui était plus parlant. Elle a cherché un nom qui ait une consonance internationale, qui soit évocateur de puissance et de vitesse. Et elle a trouvé Typhoon, qui a été retenu. Aux commandes du Typhoon, Elie Beinhorn parcourt le monde. Elle établit de nombreux records, comme par exemple en 1934, où elle fait un aller-retour Allemagne-Asie en 24 heures. Mais pour elle, les records ne sont pas l'essentiel. Elle veut rencontrer des gens et découvrir des cultures. La séduisante aviatrice sait aussi qu'elle est la meilleure des publicités pour les usines Messerschmitt. Bien sûr, ces vols long courrier ont joué un rôle décisif dans le succès commercial de l'avion. Hanna Reitsch est bien intégrée au système. Elle a fait carrière comme pilote d'essai de planeur. Le réarmement de l'armée de l'air, entamé depuis 1935, lui offre de nouvelles perspectives. Elle entre au centre d'essai en vol de la Luftwaffe à Rechlin. Ça faisait partie de la formation normale des pilotes et constructeurs aéronautiques qu'on destinait à l'industrie ou à la Luftwaffe. Leur séjour au centre d'essai aéronautique leur permettait de se familiariser avec des types d'appareils très variés. Hanna Reitsch va conquérir un domaine jusque-là réservé aux hommes. À Rechlin, j'ai piloté les modèles les plus divers. Des Stuka, des bombardiers, des avions de chasse. C'était la première fois qu'on me confiait une tâche jusque-là exclusivement masculine. Même si son aspect militaire était provisoire, elle me donnait l'impression d'accomplir une mission patriotique, dont l'importance et la responsabilité étaient de plus grands honneurs que n'importe quel titre ou décoration. Pour Hanna, cette notion de patrie, d'amour de la patrie, était une évidence, tout comme la fidélité et le sens du devoir. Il faut dire que pour notre génération, tout cela allait de soi.
eine Selbstverständlichkeit gewesen. Hannah Reichs Charakter ist... Le caractère d'Anna Reich est très intéressant. Elle avait beaucoup d'amour propre et était très ambitieuse. Elle voulait prouver qu'elle était capable de piloter comme un homme et ne supportait pas qu'on en doute. Hier sehen Sie, wie Flugkapitän Hannah Reich, Inhaberin vieler Weltrekorde, sich in dem völlig neuartigen Hubschrauber von Professor Focke heimisch fühlt. Pour le régime, les exploits spectaculaires de Hannah sont un outil de propagande. Pour les conquérantes du ciel, la vie est au-dessus des nuages, et parfois même au septième ciel. Elie Beinhorn rencontre l'homme de sa vie le 29 septembre 1935 sur le circuit de Masaryk, en Tchécoslovaquie. Depuis la tribune, l'aviatrice voit monter une nouvelle étoile au firmament du sport automobile. Fast während des ganzen bisherigen Rennens führt Rosemeyer. Nur vier europäische Fahrer sind noch im Rennen. Nach Rosemeyer, Siemen, Helios. Après une prouesse magistrale, Bernd Rosemeyer gagne son premier Grand Prix. Elie Beinhorn est loin d'imaginer les conséquences de leur rencontre. Elle ne cherchait pas de mari. Elle avait deux ans de plus que mon père, ce qui suffisait à exclure toute relation sérieuse. C'était une aviatrice célèbre et on lui avait demandé de venir le féliciter pour cette première victoire. Elle n'avait aucune envie de le faire, mais s'était laissée convaincre. Je crois que, contrairement à elle, il a vu tout de suite en elle son épouse. Une relation durable ou un mariage? Elie Beinhorn ne rêve que de voler, seule. Alors à quoi bon se marier? Mais à 26 ans, Bernd Rosemeyer sait ce qu'il veut, dans la vie comme au volant. Leur relation a duré et un beau jour, il est arrivé avec les papiers pour le mariage. Il lui a dit... « Voilà, moi j'ai les documents à fournir et je ne m'en irai pas avant que tu m'aies donné les tiens. » Alors, elle est allée les chercher. Un jour, elle m'a dit que pour elle, c'était la seule manière envisageable de se marier. La célèbre aviatrice Elie Beinhorn épouse le grand pilote automobile Bernd Rosemeyer le 13 juillet 1936. Il se débrouille pour échapper aux journalistes. Toute la presse les attendait au bureau d'état civil officiellement prévu pour le mariage. Mais au dernier moment, ils ont modifié leur plan sans prévenir personne. Seuls les mécaniciens étaient présents. Ils préféraient éviter le battage médiatique. Je crois que c'était tout simplement la rencontre de deux personnes qui se ressemblaient beaucoup. Ils avaient tous deux des personnalités singulières. Ils étaient habitués à côtoyer le danger et savaient ce que cela signifiait de vivre dans une situation sociale aussi exposée. La jeune fille qui rêvait de voler comme Icar est tombée sous le charme de son instructeur de vol. À Rangsdorf, Hans-Jürgen Huse a initié Beate Köstlin aux acrobaties aériennes. Selon les critères de l'époque, leur union était impossible. L'instructeur a 29 ans, et la fille du propriétaire terrien n'en a que 18. Il rêve de convoler en juste noces, mais le père de Beate s'oppose au mariage. Elle finit par avoir gain de cause et épouse son moniteur en 1939. Trois ans plus tard, elle donne naissance à leur fils Klaus. Nous avons loué une petite maison à Rangsdorf. Elle n'avait rien de somptueux, mais elle nous plaisait. Elle était spacieuse, nous avions un jardin et le téléphone. C'était un doux foyer et nous nous retrouvions souvent. Hans était instructeur dans la Luftwaffe. Il s'arrangeait régulièrement pour venir passer un jour ou une nuit à la maison. Chez Bernd Rosemeyer et Elie Beinhorn, on semble nettement moins casanier. Scène de la vie conjugale. Bernd und ich fanden es herrlich, unser erstes verheiratetes Weihnachtsfest in Südafrika verbringen zu können. Bernd, der neben seinem Beruf als Rennfahrer auch ein gelernter und, wie ich finde, sehr guter Mechaniker ist, sorgte vor dem Start und später auch während des ganzen Fluges dafür, dass unser Argus-Motor immer in tadelloser Ordnung war.
Mein Vater hat ja sofort angefangen, fliegen zu lernen. Mon père a appris à piloter très rapidement. Elle était certainement très contrariée la première fois qu'il s'est mis seul aux commandes du Typhoon. Mais quand elle a vu qu'il s'en sortait bien, elle a fini par l'accepter. Elie Beinhorn et Bernd Rosemeyer étaient très certainement au même niveau. Cela ne l'empêche pas, dans ses mémoires, de s'amuser à le voir jouer les grands aviateurs, alors qu'il vient tout juste de commencer à piloter, et de le voir traité comme tel par des gens qui la prennent pour sa passagère inexpérimentée. Pour une aviatrice de la stature d'Elie Beinhorn, cela devait être extrêmement amusant. En novembre 1937, un fils, Bernd, naît chez Elie Beinhorn et Bernd Rosemeyer. Sur cette photo, prise lors d'un mariage, Melita Schiller, ingénieure et aviatrice, pose à côté du comte Klaus Schenk von Stauffenberg. Mais c'est d'Alexander, le frère de Klaus, qu'elle tombe amoureuse. Le couple se marie en 1937. Qui est cet homme qui a gagné le cœur de la discrète Melita? Mon oncle Alexander war eigentlich eine Künstler und Poet. Mon oncle Alexander avait une âme d'artiste. Il écrivait des poèmes, il était également archéologue et participait à des chantiers de fouilles. Il n'avait pas l'esprit pratique, mais il était extrêmement chaleureux et très aimant. Nous l'aimions beaucoup. Déjà à l'époque, je voyais bien que sa femme et lui avaient des personnalités très différentes. Mais ils étaient attirés l'un par l'autre. Et visiblement, c'était un mariage très heureux. Da, Rosemeyer ist wieder im Rennen. Rosemeyer jagt in Rekordrunde der Spitze nach. Rosemeyer holt auf. Er geht in die letzte Runde. An der Spitze des Feldes rast er dem Ziel entgegen. Zerrend Rosemeyer auf Auto-Union. Sieger in der Coppa Acerbo 1937. Pour Bernd Rosemeyer, 1937 est l'année de tous les triomphes. Il est adulé du public et soutenu par sa femme, Elie. Rien ne semble pouvoir troubler ce bonheur sans nuages. 28 janvier 1938. Bernd Rosemeyer beim Angriff auf den Kilometerrekord. Le record à battre a été établi quelques minutes plus tôt par son concurrent. Il est de 432 km/h. In höchster Fahrt durchrast Bernd Rosemeyer das Startband. Eine Sekunde, zwei, drei, vier Sekunden. Die Hälfte der Strecke zurückgelegt. 800 Meter. Bernd Rosemeyer rast die Ziele. Le bolide est lancé à 430 km/h. Quand il est dévié par une bourrasque, Bernd Rosemeyer meurt sur le coup. Elie Beinhorn aux obsèques de son mari. Quand on perd brutalement son conjoint et qu'on se retrouve seul avec un bébé de 10 semaines, la douleur est inimaginable. Et il n'y a que deux possibilités, soit on se jette du haut d'un pont, soit on s'accroche à la vie et on continue comme on peut. Il est clair qu'elle n'a jamais vraiment surmonté ce deuil. D'ailleurs, elle ne parlait presque jamais de l'accident de mon père et elle ne m'a jamais donné de détails. C'était un sujet tabou. Malgré mes efforts, je n'arrivais pas à reprendre ma vie d'avant. Il fallait que je vole et que j'aille suffisamment loin pour être sûr de ne pas être reconnu dans la rue. Un an et demi plus tard, le ciel européen est devenu le théâtre militaire de la Luftwaffe. En septembre 1939, l'Allemagne lance ses bombardiers sur la Pologne et élabore des plans d'attaque aérienne sur l'Angleterre. L'époque où des aviatrices insouciantes décrivaient des figures aériennes dans le ciel est définitivement révolue. Dès le début de la guerre, le 1er septembre, tous les vols civils ont été interdits au-dessus du territoire national allemand, à l'exception, pendant un laps de temps relativement bref, des vols Lufthansa. Mais toutes les activités liées à l'aviation de loisirs étaient désormais impossibles.
Les adeptes des sports aériens étaient donc cloués au sol. Hannah Reich aux côtés du constructeur Willy Messerschmitt. L'homme qui, quelques années plus tôt, avait conçu le Typhoon, l'avion civil d'Eli Beinhorn, ne fabrique désormais plus que des avions militaires. À présent, il a besoin de Hannah Reich. Pour les aviatrices, entrer dans la Luftwaffe représente la seule possibilité de continuer à voler. Et elle a pris sa décision il y a longtemps déjà. Elle teste le planeur de transport Gigant, un mastodonte volant qui doit servir à envahir l'Angleterre. Hannah Reich tente de s'affirmer dans l'univers masculin de l'armée. Elle se considère comme compagne d'armes des aviateurs. Mais bien souvent, elle a du mal à faire oublier les rôles traditionnels. Ma condition de femme dérangeait ce qui attachait plus d'importance à la prédominance masculine qu'à l'urgence de la situation. Je ne crois pas qu'elle ait envisagé de surpasser les hommes ou de les évincer d'une manière ou d'une autre. Le fait d'être une femme dans un domaine exclusivement masculin lui posait déjà suffisamment de problèmes. Les Stuka, ils fondent en piqué sur leur cible dans des hurlements de sirènes et lâchent leurs bombes avec une grande précision. Les viseurs ont été mis au point par Melita von Stauffenberg. Au début de la guerre, elle voulait être pilote pour la Croix-Rouge, une tâche plus proche du rôle traditionnel de la femme. Les bureaux du ministère de l'Air ont fait capoter le projet et m'ont ensuite chargée de réaliser des essais en piqué. Une mission importante qui me donne entière satisfaction. Elle teste elle-même les Stuka et réalise jusqu'à 15 vols en piqué par jour. C'est un travail extrêmement éprouvant, sur les plans physiques et psychiques. D'abord, parce que le pilote part d'une grande hauteur, à grande vitesse, et doit rattraper l'appareil au dernier moment, avec l'impression constante qu'il va s'écraser sur le sol. Ensuite, parce que l'accélération est si forte qu'elle peut faire éclater des vaisseaux sanguins au niveau du cerveau, entraînant une mort inéluctable et rapide. Il est difficile de savoir combien de temps elle aurait pu continuer comme ça. Ses parents étaient très inquiets et ils ont écrit à Göring pour lui demander de la faire affecter ailleurs. Sans succès. Et de toute façon, pour elle, il n'en était pas question. Centre d'essai de la Luftwaffe à Rechlin. C'est ici que Hannah Reich et Melita von Stauffenberg travaillent comme pilotes d'essai. Les deux femmes sont affectées à des postes similaires. Elles sont en concurrence et ont des personnalités radicalement opposées. Elles se détestent cordialement et ne se privent pas de s'envoyer des piques à l'occasion. Une fois, elle a fait une remarque dont on pouvait déduire qu'elle n'appréciait pas spécialement Hannah Reich. C'était dans une de ces conversations d'adultes que nous, les enfants, nous entendions par hasard. Elle a dit qu'Hannah Reich était surnommée Sainte Jeanne. Il y avait une forte rivalité entre les deux femmes. Melita Schiller, qui était de nature plutôt calme et introvertie, ne le supportait pas trop mal. Mais pour Hannah Reich, qui se sentait sans doute en position d'infériorité, il était très important de montrer que sa situation n'avait rien à envier à celle de sa rivale. Et elle avait un net avantage, parce que d'après les standards raciaux du Troisième Reich, ses origines étaient irréprochables, ce qui n'était pas le cas de Melita Schiller. Chez Melita, il y avait autre chose qu'une ambition saine et normale. Elle se laissait séduire, peut-être par désespoir, parce qu'elle souffrait de ses origines raciales, et qu'elle préférait que personne n'en sache rien, ni sur son lieu de travail, ni ailleurs. Beate Use rejoint elle aussi les rangs de la Luftwaffe. Elle intègre le premier escadron de convoyage à Tempelhof, avec le grade de capitaine. Ses motivations sont d'ordre essentiellement pratique. Avec la guerre, l'aviation sportive était devenue impossible. J'ai donc été reconnaissante à la Luftwaffe quand elle m'a offert la chance d'entrer dans un escadron de convoyage. J'ai pu voler sur des appareils qui m'auraient été inaccessibles en temps normal.
comme le chasseur Messerschmitt 109. À l'époque, je m'étais dit que cette expérience qualitative et quantitative augmenterait mes chances de reconversion après la guerre. Pour Elie Beinhorn, les vols autour du monde appartiennent à un passé définitivement révolu. Va-t-elle, elle aussi, s'enrôler dans la Luftwaffe pour continuer à voler ? Ma mère était une voyageuse et voulait voler seule. Pour autant que je sache, elle a fait un peu de transport de fret au début de la guerre. Puis elle a arrêté de piloter. Pour moi, elle n'était pas la célèbre aviatrice Elie Beinhorn, mais simplement ma mère. Et c'était une mère formidable. Elle a très bien su combler le vide laissé par mon père et je n'ai jamais eu l'impression de grandir sans lui. J'ai eu la chance d'avoir un père qui a toujours eu 28 ans. Le 30 octobre 1942, Hannah Reich teste le Messerschmitt ME-163, premier avion à atteindre 1000 km/h. Après un départ au moteur fusée, le chariot de décollage devait être largué. L'atterrissage s'effectuait en vol plané, mais ce jour-là, le chariot de décollage ne se détache pas. À l'atterrissage, son visage a heurté une visière. Résultat, quadruple fracture de l'occiput, double fracture de la face, fissure du maxillaire supérieur et son nez avait été écrasé. Dans son autobiographie, elle écrit « Je savais que j'étais dans un état épouvantable. Mais en tant que pilote d'essai, mon devoir était d'abord de noter avec précision les causes de l'accident. Et ensuite, je me suis noué un mouchoir sur le visage pour empêcher mes camarades de voir la gravité de mes blessures. » Un tel dévouement à la patrie mérite qu'on lui rende honneur. Hitler décore Hannah Reich de la Croix de Fer. Elle en est très fière. Sa ville natale l'a fait citoyenne d'honneur et lui réserve un accueil triomphal. Hannah Reich n'est pas membre du NSDAP, mais elle accepte que le régime fasse d'elle une icône de la Luftwaffe. Elle se prête volontiers au jeu de la propagande. Herzlich begrüßen die Jungen und Mädel den Flugkapitän Hannah Reich, die als einzige Frau für ihre Verdienste, die sie der kämpfenden Front als Versuchspilotin geleistet, vom Führer mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet wurde. Melita von Stauffenberg est également décorée de la Croix de Fer, mais plus discrètement. Un peu plus tard, une note secrète faisant état de ses origines juives s'ajoute à son dossier. Mais son travail sur le développement du Stuka est précieux. La note reste confidentielle. Quand quelqu'un qui était considéré comme demi-juif pouvait faire état de certains mérites, le Troisième Reich était disposé à faire des concessions. Et chez Melita Schiller, ces mérites étaient indiscutables. Printemps 1944, la situation de l'Allemagne est désespérée. Une partie de l'armée comprend que la guerre est perdue. Certains forment des projets de résistance. La famille de Melita von Stauffenberg est très impliquée dans cette résistance militaire. Le beau-frère de Melita, Klaus von Stauffenberg, est l'un des protagonistes du complot destiné à renverser le régime. Melita était-elle au courant ? On peut supposer qu'il y avait des discussions chez les Stauffenberg et que Melita y assistait. Elle a donc vraisemblablement été partie prenante de ce long processus qui a mené Klaus von Stauffenberg à rompre son serment d'officier et à passer à l'acte. La lecture de son journal semble confirmer que son beau-frère lui avait parlé de ses projets d'attentat. Dimanche 21 mai, matin. Parler à Klaus Stauffenberg, Berthold, Efton. Se sont enfin mis d'accord. Mardi 13 juin, un peu de repos. Arrivé tard à l'appartement de Klaus Stauffenberg, mais lui encore plus. Dîner, à parler du quartier général du Führer. D'après ce que nous savons, Klaus von Stauffenberg avait demandé à Melita Schiller de le transférer dans la capitale après l'attentat. À Berlin, les conjurés avaient prévu de prendre le pouvoir.
Elle fait de nombreux vols d'essai sur le Fieseler Storch. Samedi 17 juin, repos l'après-midi. Vol de nuit sur le Storch à partir de 21h. Samedi 24 juin, vol de nuit sur le Storch. Mardi 18 juillet, préparer le Storch, vol de nuit, alarme, très tard. Le Fieseler Storch ne fait pas partie de son programme d'essai. Ses vols de nuit sont-ils un entraînement clandestin pour préparer le transfert de Klaus von Stauffenberg à Berlin après l'attentat? Si c'est le cas, l'aviatrice a dû avoir des doutes. Avec son expérience, elle ne pouvait pas ignorer qu'aucun des avions dont elle disposait ne lui aurait permis de le ramener à Berlin en temps voulu. Pendant ce temps, Anna Reitsch teste le premier chasseur à réaction de l'histoire, le Messerschmitt ME-262. C'est l'une de ses armes absolues censées conduire l'Allemagne à la victoire finale, tout comme la version pilotée des missiles V1, sur laquelle elle effectue également des essais. Das ist V1 im Einsatz. Die unerwartete deutsche Waffe, die eine erste Antwort der deutschen Luftrüstung auf den anglo-amerikanischen Bombenterror ist. Anna Reitsch s'investit beaucoup dans le développement de cette version avec pilote des V1, destinée à des opérations suicides. Elle tente même de convaincre Hitler de soutenir le projet. Dans les derniers mois de guerre, on ne parlait plus d'opérations suicides, mais par euphémisme, d'engagement total. L'idée, c'était que les pilotes lancent leurs avions sur les cibles ennemies comme des torpilles. Anna savait que beaucoup de jeunes gens étaient prêts à aller jusqu'au bout. Et qu'ils disaient, je préfère mourir pour notre pays si cela peut lui être utile. S'agissait-il de national-socialisme fanatique ou bien de patriotisme désespéré? C'est une question d'interprétation. Ici, en tout cas, elle a franchi une limite. Elle n'était plus l'aviatrice qui s'engageait au péril de sa propre vie. Elle engageait la vie des autres. Elle n'était plus seulement pilote d'essai, c'est-à-dire une exécutante, mais une instigatrice. Elle devenait complice de ce projet. Elle était passée à une nouvelle étape. À la grande déception de Anna Reitsch, Hitler et le commandement de la Luftwaffe sont contre le projet. Des essais sont réalisés, mais le plan n'est jamais mis à exécution. Dans la soirée du 31 mai 1944, Beate Uhse reçoit une visite inattendue. C'est le commandant de l'escadron de chasse dont fait partie son mari. L'unité a été récemment transférée à Magdebourg. Sans qu'il ne dise un seul mot, j'ai compris immédiatement que je ne reverrai jamais mon mari. Qu'il ne rentrerait plus jamais chez nous. Hans-Jürgen Uhse vient de mourir dans un accident causé par un de ses camarades au décollage. La Wolfschanze, la tanière du loup, est le quartier général du Führer en Prusse orientale. C'est là que le 20 juillet 1944, Klaus von Stauffenberg tente d'assassiner Hitler. Mais le dictateur survit à l'attentat. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Stab der Wehrmachtführung verübte. Le soir même, les principaux conjurés sont arrêtés. Stauffenberg est exécuté peu après minuit avec trois autres conjurés. Leurs familles sont arrêtées. Berlin, centrale de la Gestapo. Melita est arrêtée. Alexander, son mari, est interné en camp de concentration. Jeudi 27 juillet 1944. En forme, quoiqu'un peu fatigué. Toujours pas été interrogé. Le commissaire Sonderegger m'a dit que les poursuites envers les familles d'accusés dépendaient de la gravité du crime. Je suis calme. Et je m'attends à tout. Si Alexander devait mourir pour son frère, je n'aurais plus rien à faire ici-bas. Je pense à tous ceux qui sont déjà morts. Je les retrouverai peut-être bientôt.
Elle a été relâchée au bout de 6 semaines, beaucoup plus vite que d'autres membres de la famille. Sans doute plus parce qu'on avait encore besoin de ses talents de pilote d'essai que parce que sa complicité n'avait pu être clairement établie. La comtesse Melita Schenk von Stauffenberg peut retourner à son poste. À un détail près, l'Office central de la sécurité du Reich impose que le nom de Stauffenberg ne figure plus nulle part. En revanche, elle peut conserver son titre de comtesse. Janvier 1945. Pour les Allemands sur le front de l'Est, la situation est désespérée. D'interminables colonnes marchent vers l'Ouest pour fuir l'armée rouge. Profitant d'un vol de convoyage dans la région, Beate Uhse se rend chez ses parents. Elle les supplie de fuir. En vain. Je ne devais plus jamais revoir mes parents. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai appris comment ils étaient morts. À l'arrivée des soldats russes, une de nos employées a vu mon père aller vers eux. C'était un vieil homme de 75 ans. Ils l'ont abattu sur le champ. Quelques mois plus tard, ma mère est morte d'épuisement. Avril 1945, Melita von Stauffenberg et son collaborateur Hubertus von Papen quittent l'aéroport berlinois de Gatow à bord d'un Fieslerstorch. L'armée rouge est aux portes de Berlin et les deux aviateurs ne veulent pas tomber aux mains des Russes. Alexander, le mari de Melita, est détenu au camp de Buchenwald. Avec von Papen, elle se dirige donc tout d'abord vers Weimar pour survoler Buchenwald, comme elle l'a déjà fait plusieurs fois. Elle espère que la confusion des derniers jours de guerre va lui offrir l'occasion de libérer son mari. Mais quand ils arrivent au-dessus du camp, une mauvaise surprise les attend. Le camp était complètement vide. Normalement, on voyait des prisonniers qui marchaient dans la cour. Mais là, il n'y avait qu'une jeune fille en guise d'arrière-garde. Elle nous a dit que les prisonniers avaient été transférés à Straubing, en Bavière. À l'aéroport de Weimar, Melita et von Papen échappent de peu à une attaque américaine. Le Fieslerstorch est détruit. Ils trouvent un autre appareil et continuent jusqu'à Marienbad. Puis, leur route se sépare. Ensuite, j'ai accompagné Madame von Stauffenberg au point de décollage et je lui ai fait un signe de la main. C'est comme ça qu'on s'est dit adieu. Melita veut à tout prix aller à Straubing pour retrouver la trace de son mari. Se trouve-t-il réellement à Straubing? Le 8 avril 1945, juste avant d'arriver, elle est découverte par deux avions de chasse qui abattent son appareil. Elle mourra peu après à l'hôpital. Ça a été très triste, très douloureux. J'étais profondément affecté. C'est une très grande dame qui venait de disparaître. Beaucoup de rumeurs circulent au sujet de ce dernier vol. Je pense que son implication dans le Troisième Reich, alors même qu'elle était d'ascendance juive, était perçue comme si exotique, si étrange, que sa vie et sa mort ne pouvaient que donner naissance à une légende. Le 21 avril 1945, Beate Uhse, son fils et la nourrice arrivent jusqu'à Gatow. L'aéroport berlinois est encore ouvert. Ils y dénichent un avion en état de voler. C'est un Zibel 104. Alors qu'elle n'a jamais piloté ce type d'appareil, Beate se met aux commandes et rejoint le Schleswig-Holstein. Son carnet de vol atteste de ce dernier vol en temps de guerre. Anna Reitsch et le général de la Luftwaffe, Ritter von Greim, se connaissent depuis des années. Il est son mentor. Elle lui a rendu visite au front. Fin avril 1945, Hitler convoque von Greim à Berlin. Celui-ci demande à Anna de l'accompagner. C'est le vol de tous les dangers.
Berlin est verrouillé par les soviétiques. Anna réussit à faire atterrir l'appareil endommagé à proximité de la chancellerie. C'est ainsi qu'elle assistera aux derniers jours d'Hitler dans le bunker. Es gibt noch Treue und Mut auf der Welt. Ritter von Kreimann, Fräulein Moritz, ich freue mich. Aujourd'hui encore, cette étrange visite des derniers jours de la guerre fait l'objet de nombreux travaux, de livres et de films. Anna Reitsch a-t-elle proposé à Hitler de l'aider à fuir? Wir waren unter schwerem Beschuss, konnten dann aber doch noch in Gatow landen. Von da an war auf den Straßen kein weiteres Durchkommen mehr möglich. Also haben wir uns einen Fieseler Storch besorgt und sind direkt über die russischen Linien geflogen und auf der Ost-West-Achse gelandet. Ein paar hundert Meter von hier. Kurz vor der Landung hat uns dann die russische Artillerie doch noch erwischt. Un huis clos très particulier. Le rôle de Anna Reitsch dans cet épisode continuera sans doute à susciter les conjectures. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Les choses se sont-elles vraiment passées comme le suggère ce film? Toujours est-il que Anna Reitsch parvient à ressortir de Berlin avec von Greim. Avec les mêmes rêves et les mêmes visions, ces aviatrices ont vécu une jeunesse où tout semblait possible. Mais les conditions politiques de l'époque ont donné à leur vie des orientations totalement différentes. Après 1945, en fonction de leur caractère et aussi de la manière dont on traitait les femmes à l'époque, elles ont soit nié leur engagement, soit regretté de ne pas avoir pris conscience plus tôt du contexte. Après la guerre, Anna Reitsch se bat contre son image d'aviatrice nazie. Elle reprend le vol à voile avec succès. Beate Use devient l'une des femmes d'affaires les plus célèbres d'Allemagne et possède un jet privé. Elie Beinhorn écrit pour l'édition et pour la télévision. À 72 ans, elle décide de rendre son brevet de pilote. Après la guerre, Alexander von Stauffenberg fait transférer la dépouille de sa femme Melita dans le caveau de famille à Lautlingen. Des femmes encore dans un instant. Des femmes engagées qui, des deux côtés du Rhin, descendirent dans la rue pour revendiquer le droit à l'avortement.